Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part de l'épisode 3 des tests que Venger et moi faisons avec des véhicules quelconques, que ce soit des avions, des bateaux ou même des voitures. Cette fois étant donné que la mise à jour école de pilotage a eu lieu, on va s'intéresser aux avions bien évidemment parce que c'était l'école de pilotage. Donc on va tout simplement s'intéresser à la vitesse du Bessra contre l'avion de chasse. En ce qui concerne la maniabilité, on sait très bien que c'est le Bessra qui gagne. Mais en ce qui concerne la vitesse, on ne sait pas forcément des deux gagne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le design, c'est bien l'avion de chasse qui est le vainqueur. Parce que le design de l'avion de chasse est vraiment très très beau. Et que le design du Bessra, on va dire que c'est un peu un jouet. Bien évidemment, c'est à prendre au premier degré. Moi, c'est mon avis, donc ne m'insultez pas parce que beaucoup de personnes l'ont critiqué. Ouais, tu dis que c'est des Playmobil, tu te plains, etc. Bref, c'est que mon avis. Donc, on va tout simplement faire une course improvisée avec ces avions. Donc, on va faire une petite course et on va tout simplement se rendre juste ici. Donc, vous voyez bien que c'est juste en face. Il se fera juste d'aller tout droit. Donc, je vais inviter Venger en attendant qu'il rejoigne la course. Je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc, si jamais vous avez des questions et que vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches que je fais en vidéo, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre. Donc, tous les liens se trouveront dans la description. Donc, la partie, la course va se dérouler en deux parties. Donc, la première partie, nous allons faire la course au sol, et la deuxième partie où nous allons tout simplement décoller et voir qui a la meilleure vitesse. Donc nous décollerons tout au bout de la piste et on va tout simplement commencer. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Donc on commence. Donc on voit déjà que le Bessra a une meilleure accélération comparée à l'avion de chasse. Donc on peut déjà voir que je lui mets pas grand chose, mais que je suis devant. On voit qu'il me rattrape assez rapidement. Et là on va tout simplement décoller. On va voir qui c'est qui a la meilleure vitesse. Donc l'arrivée se trouve juste au bout. Et on va voir qui c'est qui a la meilleure vitesse. Donc pour le moment je suis devant. L'avion de chasse est en train de me rattraper et en train de me devancer. C'est incroyable, alors que pourtant le Bessra est beaucoup plus léger que l'avion de chasse. Et l'avion de chasse est beaucoup plus lourd. Mais pourtant c'est l'avion de chasse qui a gagné. Donc le verdict étant que l'avion de chasse a une très très bonne vitesse de pointe, mais une accélération moyenne comparée au Bessra qui a une très très bonne accélération mais qui a une vitesse de pointe assez moyenne. Donc voilà, c'est déjà à la fin de ce test. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Donc le prochain test aura lieu tout simplement dans quelques jours. Donc on confrontera tout simplement la coquette classique à la coquette que vous connaissez tous. Mais si jamais vous voulez qu'on teste d'autres véhicules ou d'autres avions ou même des bateaux, n'hésitez vraiment pas à nous le dire dans les commentaires et on verra ce qu'on pourra tester. Donc je viens de m'écraser, c'est juste génial. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, nous on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Allez, ciao bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.